Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, en tout cas bien mieux qu'auparavant. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Horizon Zero Dawn, nous en sommes à l'épisode 14. J'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Je vous avais posé une ou deux questions dans l'épisode 13 et vous avez répondu bien évidemment incroyablement vite. Je vous remercie, grâce à vous, on va pouvoir faire les creusets. Vous savez, les creusets, c'est les sortes de ruines antiques où il y a un boss à la fin. Et une fois battu, non seulement ce boss te give des trucs assez sympatoches, mais en plus de ça, tu peux pirater bien plus de machines, c'est plutôt cool. Vous m'avez donc conseillé de faire les grands coups, hein. Donc c'est, vous savez, ces machines gigantesques qui vous offrent une vue juste sublime. On va faire celui-ci, et après on ira faire tout simplement ce creuset, donc ces ruines qui sont dans les pyramides ici présents. Je pense que, alors là on a un creuset, un autre grand coup, le deuxième creuset, le troisième creuset avec un grand coup sur la gauche et un grand coup par ici. Mais où est le quatrième creuset? C'est ça? Est-ce que vous pensez que ça c'est un creuset? En tout cas, c'est bizarre, c'est bleu et c'est une pointe avec une tête d'or, mais ça ressemble pas du tout à une montagne. Vous savez quoi? On va faire celui-ci. On va faire celui-ci, donc direction le grand coup. Non seulement le grand coup va nous permettre de dévoiler une très grande partie de la map, ça c'est plutôt cool et c'est clairement pas négligeable, mais en plus de ça, normalement, il m'affichera des petits trucs sympas sur la map à voir. Je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, on va découvrir ça au pire, mais je crois qu'il déverrouille les feux de camp qu'il y a dans les alentours. Écoutez, on va faire ça de suite, et puis en plus, on va profiter d'une vue quand même assez sublime. Alors par contre, ah oui, là il y a un problème. Là il y a un problème, je suppose qu'il faut monter par ici. À mon avis, c'est de l'autre côté de la... On va pas appeler ça une montagne, ça serait mentir, n'est-ce pas? Mais c'est de l'autre côté du ravin. Il y a quand même des gens qui se sont dit, ouais, B-Boy, tu cutes de plus en plus. Les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous explique 4 minutes en début de vidéo. Tu vois, je peux pas faire mieux. Honnêtement, je peux pas faire mieux. Et faites un petit effort, les mecs. Ah, hein. Il y en a certains, ça devient chiant. Hein. Ah, ouais, les gars, ça devient chiant. Quand t'es malade, tu vois des trucs comme ça, t'as juste envie de chialer. Hein. Ah, bah, t'as plus que tes yeux pour pleurer, de toute façon. Hein. Ok, on va passer parce qu'on s'en bat littéralement les couilles. C'est bon, on est sur le bon chemin. Oh, d'accord, il est tout là-haut. En plus, on n'a jamais été par là. C'est très, 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 très bien. Ah, je le vois. Oh, qu'il est beau. Oh, il est beau. Oh, ça, c'est une belle girafe qu'on a là. Non, comment ça s'appelle? Vous savez... Je capte un autre signal. Tu captes quoi? Oui, bah c'est normal, il est pas loin. Ah, elle doit parler du creuset, mais on va pas le faire. Parce que le creuset est sur ce passage-là, hein. Si ma mémoire est bonne, voilà, parce que j'ai une bonne orientation. C'est vrai qu'à la base, j'étais explorateur de père en fils. Non, on va faire le coup géant. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Je crois que ça s'appelle un coup géant. Mais voilà, je voulais vous dire, vous savez, dans Jurassic Park, quand ils viennent d'arriver sur l'île, là, ils voient des dinosaures à coup géant, herbivores, donc. Et c'est même là où il y a la musique qui commence, enfin, ça part en couille. Comment ça s'appelle ces dinosaures? Les gars, c'est... Oh la vache! What the fuck? Un alligator, un carapateur. Ah, bah j'en ai déjà détruit. J'en ai déjà détruit des millions, des comme toi, mon petit. On va pas faire les shows quand même. Je crois que je me rapproche du signal. Non. 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 Ok, on va se caler là. Oh putain, il est là. Je dois atteindre la tête du grand. Comment je peux faire? Là, réellement. Comment je peux faire? On va passer par ici. Je pense qu'il faut aller sur cette île. Yes! Il faut aller sur cette île. Allez. Ah, j'aurai pas le temps. Oh là là! Oh bah ouais! Ah, c'est la branche d'arbre! C'est la branche d'arbre, malheureusement, qui m'a bloqué. Ok, comment on va faire? Allez, alors, fais un petit effort. Okay, c'est pas par ici. C'est pas non plus par ici. Oh putain! Frère! On m'a fait. C'est parti. Frère, je rigole! Ok. Ok, vous savez quoi? Je vais aller là-dessus. Oh putain, dès que j'ai le start, je vais là-dessus. Et on va foncer. Hein. Aïe, 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 aïe. Ok, on y va. On y va. Frère! Ok. Ok. Vas-y. Vas-y! Ah! What? Il a pris un élan, sa mère. Bouge ta tête! Non! Non! Oh là là, il m'a enculé! Il m'a niqué mon game! Oh, il m'a pourri! Je suis tellement deg! Il m'a pourri mon épisode, ce bâtard!
Oh là, allez, dégage. Oh putain, par contre, j'ai stressé, hein. Je vous avoue que j'étais en train de vibrer. Je commençais à avoir flou, j'étais pas bien. Il est où, là? Attends, c'est une blague, j'ai perdu un grand coup, là. Jure, tu fais... Frère. Frère! Non, tu vas pas sauter. Tu vas pas sauter. Tu vas pas sauter. Eh, tu sais quoi, toi? Oh là là! Allez, casse-toi, 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 casse-toi! Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est incroyable! Une fleur. Ok, on va respirer. Non, mais en plus, il fait toujours des bruits de paix, lui. Ah, j'aurais dû aller là-haut. Ah, ouais, j'aurais dû aller là-haut. Ok, ok. On va essayer de le rechoper tout là-haut. Et après, on va essayer celui-ci. Ouais, non, mais mec, ça va aussi, toujours plus, toi. Putain. Je suis obligé de les faire. Je suis obligé de les faire. Fais chier. Ok. Quoi? Putain, il est démentiel, il est démentiel. Arrête, arrête, wesh. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. C'est, il me casse les couilles. Je m'énerve. Non mais, arrête, arrête. Mais monte à l'œil, fais un effort, ta mère! Pardon, en ce moment je suis stressé, ok? Ça va la comédie! Non mais il vient en plus, hein! Allez! À l'œil! Je te suce! Oui! Ok. Putain, je vais me faire arracher, hein. Ok, j'ai réussi à passer. Non, à l'œil. Oh, c'est terrible. Oh putain, mais sérieux, en plus, les grands coups, c'est pas tous les mêmes. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique, par contre. Ça, c'est magnifique, on va rester un petit peu sur son... Sur son crâne, là, histoire d'apprécier la vue. Allez, c'est parti, on pirate. Bon, une bonne chose de faite, les amis. Ah ouais, mais les gars, là, ça il m'a fait crier, hein. Il m'a fait crier, hein. Regardez la cartographie autour qui se fait. Oh, c'est stylé, hein. Et c'est bon. Regardez comme c'est beau. Regardez un truc de ouf. Un paysage de ouf. Grand coup. Faille de cuivre. C'est magnifique. C'est littéralement magnifique. Et 7500 XP, je dis oui, les amis. Avec un point de compétence, bien évidemment, supplémentaire. Ok, on est parti, les gars. Direction, donc... Oh, regardez tout ce que ça affiche. Oh là là. Oh là 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 là. Bah, direction se creusait. Direction se creusait. Et est-ce que je suis dans la bonne direction? C'est par là-haut. Donc, je dis oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce... Il y en a un qui se fait enculer, là, non? Ah! D'accord, oui. Effectivement, il y en a un qui se fait bien arracher. Ok, on va essayer de les arracher calmement. On va le mettre en feu. Voilà, il va péter. Allez, normalement c'est bon. On va lui... Oh bah on va lui en mettre plein. C'est... Attends, il avait une bûche. Il avait une bûche. Ok. On va attendre d'être de l'autre côté. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu l'arracher. Ah, ça peut-être pas... Ah, attendez, est-ce que ça va jusqu'ici? Tiens. Bougez pas. Ah, c'est bien dommage. Attendez. Ah, c'est bien dommage. La flèche s'arrête un peu trop tôt, à mon avis. Ah, bah, c'est les limitations de la PS4, les gars. Ah, c'est con. Ah, c'est dommage. Je pensais vraiment que ça aurait pu aller jusqu'au bout. Allez, on est parti. Descente en rappel. Il fait ça à chaque fois. Ah, il veut m'impressionner, hein. À chaque fois, il fait genre, il est cassé, là, le bordel. Ok, point de données, 3 sur 10. C'est pas mal. Un nouveau grand coup de fait. Attends, va pas m'écraser, frérot. Je t'aime bien. On est parti, les amis, pour le creuset. Alors là, les gars, je vais être très honnête avec vous. Je pense qu'une fois terminé, on sera déjà presque à peut-être une heure de vidéo. On va avoir un boss, là.
On va avoir un boss et je sais pas du tout s'il est... s'il est simple ou compliqué. Donc on va voir ça très bientôt. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens blessés. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes blessés? En quel honneur vous êtes blessés d'ailleurs? Pourquoi vous êtes blessés les gars? Il m'a pas vu hein. Ok, il m'a pas vu. Vous avez fait quoi? Vous êtes enculé? Cœur de veilleur, je prends volontiers. Bon, c'est très intéressant. J'ai bien envie d'en arracher un quand même. Étant donné qu'ils sont à moitié blessés. Ah bah autant utiliser leur faiblesse hein. Ok, on va peut-être essayer. Bon, d'accord, elle veut les éviter. Vous savez quoi, on va l'écouter. Donc on est parti. Direction. Attends, mais c'est pas. C'est vers où là? Genre réellement on va sur les montagnes. Parce que ça a l'air en bas, non? Ça a pas l'air. Pas l'air d'être en hauteur, on va voir. Ok, 270 mètres. C'est tout en bas ou tout en haut? Non, parce que c'est souvent bien gardé aussi, hein, c'est ça le problème. L'entrée des creusets. Ah, je vois. Oh! Encore une nouvelle espèce. Les testudiens. Attention en bas. Ok. On va essayer de pas faire les cons. C'est quoi, on va passer là-haut? On va passer là-haut, on va essayer de pas faire les cons, on va la jouer intelligemment. Qu'est-ce que c'est? Très bien ça. Je prends volontiers. Ok, c'est tout? Point de données récupéré. Bon. Malheureusement, ça ne dit pas grand-chose. C'est quoi ça? C'est un feu. Très bien, je prends. C'est très sympa ici, hein. J'aime bien. Honnêtement, les gars. Ça me plaît. Ça me plaît. Je repasserai. Je repasserai. C'est un petit coin de chasse ici, cool. Assez sympatoche. Bonne ambiance. Ah, on s'y retrouve, hein. Écoutez, on se sent pas perdu. J'espère qu'il est pas trop compliqué. J'espère que j'ai pas pris le dernier creuset. Parce qu'apparemment, il y en a des assez chauds. Là, vous avez bien vu que je suis quand même assez limite. Alors, mon arc est pas trop dégueu de ce que vous m'avez dit. Mais je suis quand même limite niveau armure, hein. J'ai toujours rien acheté depuis le début du jeu. J'aimerais en acheter une, je vous avoue que je suis un petit peu crevard. Bon, les gars, écoutez, je vous avoue que ça me fait chier de gaspiller. Voilà. Mais bon. Sur un malentendu, j'ai. Oh putain, j'ai presque suffisamment de ficelles. Ah oui, j'ai pas de flèches perforantes, ça c'est très. Oh, toi, faut que je te tue. Toi, faut que je te tue, toi aussi. Toi aussi. Ok. Pourquoi? Parce que j'avais des trucs à récupérer, souvenez-vous. J'aurais dû prendre un chariot. Ok. C'est pas de l'os de sanglier qu'il me faut. Je sais plus exactement c'était quoi, on va regarder ça de suite. Souvenez-vous, c'était pour le sacoche de ressources. Et c'est un os de sanglier qu'il me faut. Ok. C'était bien un os. Bon, comment on va faire? On va faire simple. J'ai un pack de déplacement rapide. Ah, ça me fait chier de le jeter quand même. Hein. Ok, on va jeter la montre. Et c'était ça que je voulais, non? Merci. Un os de sanglier. Bon, il m'en faut un petit peu plus, par contre. Il m'en faudrait un petit peu plus. Ça serait assez couleur. Et les sangliers ne sont que là où il y a de la végétation. Oh, bah, je vous apprends rien, les gars. Hein. Vous êtes comme moi, vous êtes chasseurs à la base. Ok, on est au creuset. Ah, il faut du sanglier, les mecs. Je vais améliorer. Attendez, hop. Ouais, c'est bon. Non, lui va être trop chaud. Il est pas de face. Ce creuset a pas l'air très compliqué. Comment je peux trouver un... Attendez. On va essayer de trouver un sanglier, vraiment. Il y en a pas un dans les parages, là. Les gars, putain, on est à un sanglier près, quoi. Vous êtes sérieux? Bon, allez, c'est pas grave. Vous savez quoi? C'est pas grave. Quoi? J'attends qu'il me regarde. C'est normal, c'est fait exprès. Quoi? Oh non. Oh putain, ça va être chiant. Non, ça va easy, les gars. Ok. Ah d'accord, ça fait des petites galipettes, ça se permet. Ok, j'ai l'impression qu'ils sont plus durs à tuer qu'avant, ceux-là. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ah, ça c'est con. Ah, ça c'est con. C'est très con. Et ben voilà. J'ai l'impression qu'ils étaient plus durs, mais écoutez, c'est dans la tête, les gars, je raconte que des conneries. Qu'est-ce qu'on a là? Ah putain, on a des trucs sympas. Hein. Ah, on a des trucs sympas là. Hein. On a des trucs sympas. On est parti, les gars. Le creuset, je crois, très honnêtement, que ce creuset n'est pas trop compliqué. Arrêtez-moi si je me trompe. Oh là, comment on va faire?
Comment on va faire? Je vais aller de l'autre côté, hein, vous l'aurez compris. D'accord. Peut-être par là. Est-ce que je peux y aller au moins? Attendez, on va tenter des trucs. Hein. On n'est pas à ça près. Hein. Ah non! Oh bah attendez, on peut aller en bas. Pas mal! Je prends, écoutez, ma foi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me faire chier. Par où on peut passer? Non, c'est pas. Il y a un liquide qui coule dans ce tuyau. Ah! D'accord! En fait, c'était tout simplement en bas l'entrée. Très bien! Ok, c'est parti. Bonjour, mesdames et messieurs. Mauvaise idée. Ah bah écoutez, oui. Oui, il est vrai que je pensais qu'Aloy allait s'accrocher sur le rebord et que malheureusement elle ne voulait point. On est reparti. Bon, on va faire les choses proprement et dans l'ordre. Déjà, s'il vous plaît, merci de me donner des soins, c'est plutôt cool. On va passer par ici. Et on va éviter de refaire la même connerie, n'est-ce pas? Déjà, arriver dans le creuset en vie, ce serait une première étape assez sympa. Et soulever tout le game, ce serait une deuxième étape assez cool aussi. Ok, c'est par ici. Non. Oh putain, mais j'allais dire qu'elle est con celle-là, putain. Mais bon, je m'excuse je de pas ce pas. Je suis la première à chercher à entrer. Oh. Quel gâchis. Ok. Il y a des entrées un petit peu partout. Là on a quelque chose ou pas, là, non? Non, ici c'est pour sortir. Oh, c'est beau, hein. J'aime bien les... Dans les jeux d'aventure comme ça... Les grottes un peu, parce que ça reflète souvent la puissance un peu technique avec les effets de lumière et tout, d'une console. Et là, on peut dire qu'on en prend quand même plein la gueule. Et les gars, sur PS2 à l'époque, tu rentrais dans une grotte, tu voyais rien. Frère, t'avais deux lumières, ça s'arrêtait là. Hein. Mais je suis mieux préparé. J'espère que ça suffira. T'enflamme pas trop quand même. Hein. T'enflamme pas trop, t'es mieux préparé, on sait pas ce qui nous attend. Hein. Préparé à quoi, ça va aussi. Hein. Tiens, on va se permettre aussi... Quoi? Ah, j'ai cru qu'une musique d'action avait commencé, j'étais pas bien, je commençais à frissonner. On va se permettre de s'attribuer nos compétences quand même. Ah, le coup de la double flèche, j'aime bien, moi ça me plaît bien. Donc vous savez quoi? On va la prendre, le coup de la double flèche. Attends, trois flèches, sérieux? Gay, il s'arrête plus. Ah, trois flèches, c'est pas mal. Ah, ça me plaît bien aussi. Ça me plaît bien aussi, ok, c'est parti. Ça va dégénérer. Oh, bah, hé! J'ai pas pu le pirater. Je ne sais pas pour quelle raison. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On peut tomber là-dedans? Apparemment non. J'ai fait une bêtise, écoutez, on va remonter, c'est pas grave. Par où faut passer là? Je ne comprends pas. Pardon? Ah, bah non, je suis con. Bon, attendez, là, je suis peut-être con, on va... Oh, si. Eh, on va continuer comme ça. Hop, voilà, c'est rapide. À contresens. Allez. Aloy, faut lâcher, faut tout lâcher. Aloy, ma sœur, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lumière. Encore ce bruit d'écoulement. D'accord. De toute évidence... Ah, elle m'énerve la quête. Écoutez, on va l'arrêter là. Elle est où là? C'est bon, stop. Ah, je vois que ça sur l'écran, c'est stressant là, le point jaune là. Je vois que c'est à 2000 mètres, ça va aussi. Hein. Ok, on va passer par ici. Oh, ça risque d'être long, hein, ces ruines. Hein. Je sais pas pourquoi. Ok, on pirate cette porte. Que cache-t-elle? Oh là là, c'est tellement stylé. Ok, on a quelque chose à trouver. Comment traverser cette barrière? Ouais. Effectivement, Thierry. Attends. Ok. Y a un truc que j'ai pas compris. Il y a écrit impossible de pirater pendant. Et j'arrive pas à lire la suite, j'ai jamais le temps. Ok, on va monter là-dessus. Et faut que j'aille où d'ailleurs? Faut que j'aille là-haut. C'est la première fois qu'on voit ce système. Ils arrivent vraiment à se renouveler à chaque fois. C'est assez impressionnant, je vous avoue. Hop.
Ok, on y est. Aloy ? Aloy ! Putain, sérieux, Aloy ! Obéis plus vite que ça, s'il te plaît, hein ! Alors, faut savoir que pour descendre de quelque chose, une fois accroché, c'est pas la touche rond. C'est la touche croix, comme si elle voulait sauter. Sauf que je pense qu'elle fait pas ordre de priorité. C'est-à-dire qu'elle... Il y avait un dent de scie, mais lourdement armé. Super. Ok. Ah non, j'ai pas envie d'affronter ça. Hein. C'est-à-dire que... Elle va faire par ordre de priorité si j'appuie sur croix. Elle va essayer de voir si elle peut pas sauter ailleurs avant de tomber. Et si elle ne peut pas, là elle tombe. Mais des fois c'est chiant. Regardez, là, voilà, là, elle a été toute seule en bas alors que je voulais juste qu'elle tombe. Qu'elle se laisse tomber, tout simplement. Reste tranquille. Ok. Super, je devrais pouvoir passer. Ouais, impeccable, mais tu veux passer où, ma soeur? Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé et 10 contraintes que je pourrais pas m'accrocher là-haut. Mais attends, je devrais pouvoir passer où? Elle a dit. Ah, ici. Yes. Oula, l'autre il commence à faire de la musique. Là, il fait du saxo, ça va pas. Attends, je ne comprends pas. Bougez pas. Non, parce que s'il faut l'arracher. Moi, je suis pas con, quoi. Enfin, je veux dire. Attends, il vient sur moi là, il vient sur mes côtes là. La tête de ma mère qui vient sur mes côtes. Ok. Attends, c'était peut-être par là qu'elle voulait parler, non? Je vois pas pourquoi je devrais aller en bas. Hein. Ouais, je pense que c'était par ici. On va voir, écoutez. Je peux peut-être me tromper. Aloy ? Ok. Ouais, je pense que c'était là-haut. Ah, j'aurais peut-être dû le détruire. Allez, lâche à l'œil. Putain, c'est chiant. T'es obligé d'enculer ta manette, sérieux. Elle est relou, hein. Ah, cet épisode, elle veut pas. Les gars, je suis soigné, elle s'est dit, ouais, faut le faire chier. Ça va aussi, hein. Attends. Non, à l'œil, lâche. Mais regardez-moi cette chèvre. Cette putain de chèvre. Elle préfère crever que lâcher. Quoi? Lâche. Oh là, c'est terrible. Aloy, t'es terrible aujourd'hui. Ok, c'est par où maintenant? C'est par ici. Je comprends rien où je vais. C'est gros bordel. Je vous avoue que c'est un petit peu chaotique la façon dont c'est foutu le bordel. Ok, pas mal. Je sais pas pourquoi je vais pas pouvoir. Ah si, je pouvais le pirater. Ah dur. Il y en a que je pouvais, d'autres je pouvais pas. Très bien. Bon, on va réussir à comprendre, vous en faites pas les gars. On n'est pas plus con que les autres, comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce qu'on a là? On a un bel effet de lumière et ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a là? Attends. Scanne les environs. Voilà, j'ai pas le temps pour vos conneries, moi, ça va la comédie. Ok. On va récupérer. Non. Hop, voilà. Oh là, j'ai pas assez de soins en fait quand on va affronter le boss. Par contre, c'est long hein, les phases. Les creusets, ils sont grave grands, je trouve. Hein. Un peu trop grand à mon goût. Hein. C'est sympa, hein, on aime bien, on visite, c'est cool. Il y a des effets un peu partout, mais. Attendez, on va se mettre déjà une potion. Oh, putain, j'ai plus qu'une popo. J'ai une popo, ça va être chaud. Tomber dans la nature et la verse ici, comme le sang dans le cœur. D'accord, c'est pour ça en fait qu'ils font leur petit bail. Donc, une vie propre. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Tellement. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Allez, prends. Hop. Et merde. J'ai eu très très chaud. Ok, on va essayer de le pirater lui. On va rester dans la fumée. Normalement je suis pas cramé. On va essayer de pirater ça.
Fais pas le con, j'ai très peur. Avec ses pattes, elle est aussi rapide que bruyante. Je dois rester sur mes gardes. Ok. Oh là là, il y a tellement de bruit. J'ai peur. J'ai peur. Ok. Bon, vous savez quoi? Attends, c'est une blague? Quoi? Attends. Ah, d'accord. En fait, faut pas la flèche qui pénètre, sinon ça fait rien. Et moi, j'ai insisté comme un idiot. Il se rendra même pas compte que je l'attaque. Ok, on va passer par ici. La seule frame, c'est bon? Ok. Alors là, c'est étrange. Ah putain, je me trompe toujours. Quoi? Ah non, mais il faut trois flèches en fait, non? Ah putain, ça recharge dur. Ok, on va le pirater. On va prendre les flèches qui pénètrent. Et boum! J'ai foiré. Et boum! J'ai foiré. Et boum! Je n'ai pas foiré. Ok, regardez ça. On met deux flèches. Ah! Je n'étais point prêt. Je ne m'attendais pas à ça, mesdames et messieurs. Ok, il arrive. Hein. Ah, il a faim. Ok, on va les mettre en feu. Allez, ça dégage, ma petite gueule. GG, ça. GG, David Guetteur et moi-même. Ok, je prends... Aïe! Quoi? Je rigole, frère! Frère! C'était un malentendu! Ok, ma gueule! Ah, t'as voulu faire chaud! Wow! Wow! C'est quoi ce délire? Calme-toi! Hop! Oh putain! Ok, il est en feu aussi! Oh là là! Allez, allez! Petite esquive latérale droite, qui sait où j'habite? Ok! Allez, ça dégage! Ok, lui il est mort. Lui il est mort. Lui. Oh bah il va mourir. Il va mourir, vous en faites pas. Ok, c'est incroyable, on s'en est tellement bien sorti. Oh, c'était le bordel, hein. Je savais plus où j'habitais pendant un moment. C'est très très bon ça. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez, hein, je vais essayer de m'occuper de le fouiller là. Impeccable. Impeccable. On peut se faire max mun. Et on va se faire des flèches de feu. Forcément. Alors lui, c'était quoi que je pouvais pas? Des lentilles haute pâte. Mais si, c'est bon, bah voilà. Impeccable. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai fait mon boulot, j'ai tout arraché, littéralement. Il me reste 2-3 trucs là-haut. Et il y a encore lui qui est sous l'effet du piratage. Ah non, je peux pas l'arracher. J'avais oublié que je pouvais pas l'arracher. Je pourrais jamais abattre une machine de cette taille. Non, 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 non. Si je viens de me débarrasser de toi. Bon, frère. Voilà, faut pirater ça. Ok. Je sais pas du tout ça va me faire je sais pas du tout ce que ça va faire d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est piraté. Et ensuite.
C'est incroyable de pirater des machines comme ça. Jamais abattre une machine de cette taille. Mais si. C'est que le début parmi tant d'autres. Ok. C'est par ici peut-être, non? Attendez. On sait jamais. Dommage. Ok, peut-être par ici. Ça me paraît être optimisé. Ça me paraît pas mal là-haut. Ça me paraît pas mal. Ok, on va se recharger en flèche. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Ouais, c'est par ici. C'est par ici. On a trouvé notre chemin. Allez, à l'œil, faut lâcher. Oh, c'est chiant. Je vais même pas lui faire une rayure. Ok, mais de qui tu parles à l'œil comme ça, là, c'est terrible. Ah, j'ai cru que je me faisais électrocuter. Ah bah, c'était pas fou, hein. Ok, bon, là, on fait le tour, impeccable. Ouais, y'a rien, putain, mais c'est pas vrai. C'est ici, hein. Ok, je vois qu'ici. Je vois qu'ici. Est-ce que vous me confirmez dans l'oreillette? Oh, je pense que c'est là, hein. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Par contre, par où passer? Très bonne question. Ok, je suppose qu'il faut peut-être pirater ça, non? Oh, c'est le bordel. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que j'arrive à aller là-dessus. Et comme par hasard, c'est de l'autre côté, putain. Ok, c'est pas grave, c'est bon. Heureusement, l'accès, il est facile, il n'y a pas tout à refaire. D'accord, donc, je suis quasi sûr que c'est par ici. C'est parti, Aloy. Voilà, merci. Un effort, s'il te plaît. Tiens, hop. On gagne du temps. Ok, impeccable. Oh, c'est beau. Ah bah, écoutez, les gars, si on peut régaler. Par contre, c'est où, après? Okay. Trouvez le noyau de creuset. Voilà, bah, c'est parti. Les entrailles de cette bête géante. Oh là là. C'est compliqué, c'est d'un compliqué. Quoi? Putain, tu m'as fait tellement peur. Bon, maintenant, faut réussir à monter là-haut. Calme-toi, Aloy. Ok. Et en plus, on va se faire enculer par un boss, alors ça, c'est toujours un plaisir. Bon. Bon, il y a un truc qui passe en hyper vitesse là-dedans, là. C'est quoi ce délire? Comment on peut faire? Il y a un truc qui passe en mode tellement rapide. Sacré délire, hein, le bordel, hein. Non, c'était là que je vais aller. Et là, je meurs, en fait. Je meurs! Comment je fais pour revenir en arrière? Ah, ok, peut-être là, non? Mauvaise idée. Ah, mauvaise idée. Ah, bah oui, bah je l'ai vu, hein. Ah, je l'ai vu, j'ai flairé la mauvaise idée, les gars, hein. Ok, on est donc reparti. Si j'avais bien compris... Ah, d'accord, je venais de par là, putain, c'était terrible. Ok, je venais de par ici, je suppose qu'il faut aller là. Allez, fouille. Voilà, merci. Oh là là, c'est terrible. C'est par là, tout simplement, non? Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, attendez, normalement, je dois avoir quand même... J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Tâche, bandit, grand coup, zone de chasse, creuset. Le voilà, c'est un creuset de niveau 11. Aucun problème. Je me suis mis l'objectif quand même, sait-on jamais. Ok, c'est par ici. C'est ici que je dois aller. Merci Aloy de me confirmer tout ça. Ok, c'est parti. Ensuite, c'est toujours tout droit. Bon. Par chance, j'ai trouvé le creuset numéro 2. J'hésite à faire le creuset numéro 3, je sais pas ce que vous en pensez, dès la prochaine vidéo, comme ça on aura fait la moitié des creusets, je trouve ça pas mal, on aura fait 3 creusets sur 5. À vous de me dire. Je vais devoir abandonner autre chose. Qu'est-ce que c'est que ces délires? C'est de l'eau? Ouais. Ah, j'ai eu un petit moment de doute.
Un petit moment de frisson, c'est normal. Je crois qu'on est au cœur, les amis. Nous voici au cœur du creuset. Et c'est parti, c'est un boss. Pirater le noyau. Quel est ce boss? C'est un carapateur, tout simple. Ça devrait pas être trop dur. D'accord, en fait, le creuset... Ah, mais c'est un carapateur un peu modifié. Hein. Ah, il est pas comme les autres. Ah, il carapate un peu plus, ça c'est sûr. C'est une évidence. Ok. Attendez. Est-ce que par hasard... Est-ce que sur un malentendu... Attendez. Non, non. Attends, j'ai pas envie de pirater. Attendez. Allez. Ok, c'est bon. Allez, ferme-la. C'est bon. On en a piraté un. Ok, bouge pas, frérot, parce que ça va partir en couille très très vite. Et quand je te dis très très vite, même toi tu seras pas prêt, mon petit pote. C'est parti, les gars, on pirate direct le noyau. Ah putain, faut que j'attende. Oh, dur. Oh, c'est terrible. Faut que j'attende combien de temps là? C'est bon là, normalement. Allez, putain, à l'œil. Allez, c'est parti, les gars. Ça va partir en couille. Carapateur. Ah putain, ça faut que j'arrête. Ça se prend tout. Ah oui, d'accord, ouais, c'est les. Ok. 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 Ok, je suis mort. Je suis mort dans le film. Ok, c'est bon, c'est rien. Ah! Oh, il m'a fait peur! Abruti! Pourquoi il y en a deux? Un seul me suffit! Ok, on le remet en feu. Ok, c'est bon. Ah, il est pas trop dur, hein. Ok, hop, Rodrigo. Allez, c'est bon. J'ai eu son point faible. Allez, un de fait, les potes. Lui, normalement, ça devrait être un peu du pipi de chat. Je pense que c'est son chien vigile. Ok. Non, c'est pas bien, là. Pas des trucs comme ça. Hop, petite esquive de l'autre côté. Oh, on s'en est tellement bien sorti là. Hop, petite esquive de ce côté-ci aussi. Hop. Aïe, aïe, je rigole, frère. Ok, dernier assaut, je pense. Quoi? Attends, j'ai peur. Ok, je disais... Dernier assaut. Oh la vache! Ah là, c'est trop aussi, là, ce que tu mets, mec. Finalement, il est peut-être plus chiant que les autres. Ok. Et ben voilà! Bonne chose de faite! Un nouveau creuset, les amis! On va tout ramasser. Tout. Parce que là, c'est quand même la régalade. Ah, ils étaient beaucoup plus rapides. Ah putain, je dois poser quelque chose. Ok, lentille de ravageur, ça, c'est une très très bonne ressource. Donc, direction l'inventaire. Direction mes ressources, on va jeter un truc genre... qu'est-ce qu'on peut jeter là rapidement là? Ça c'est de la merde, échange contre des métaux. Ok. Très bon. Nous avons quelque chose de très rare sur ce carapateur. Oh putain, 40% bobine de déchirure. C'est très bien bon ça. C'est très bon. Attendez, bougez pas, j'ai un petit peu peur. Non c'est bon. Plus de peur que de mal. On est bon les gars, on va pouvoir se tirer... Inventaire plein pour les flamber. On va quand même fouiller celui-ci, sait-on jamais, voilà, sur un malentendu. On pirate. Et c'était une belle vidéo. Ah oui, moi je pirate à côté. Ah bah les gars, j'ai pas le temps, moi je pirate pas dedans, ça sert à rien, c'est des conneries. Hein. Moi quand je mets une clé USB, je la mets à côté, ça fonctionne tout aussi bien.
C'est parti! Fin de cette vidéo, les amis. Creuset numéro 2. Je peux pirater plus de machines. C'est fait! Alors, quelle machine je peux pirater? Je peux pirater... Alors, déjà, c'est 1000 XP, c'est très très bien. Merci beaucoup. Un point de compétence en plus. C'est aussi très très bien, merci beaucoup. On va regarder quand même ce que je peux pirater. J'ai fait quel creuset, là, dans l'histoire, là? Je peux pirater des oh, des carapateurs, des hautes pattes, des testudiens, des piétineurs et des ravageurs. Les gars, c'est très très bon. Ça, c'est très 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 bon. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour l'épisode 15. Je pense très honnêtement faire un second creuset et un second grand coup. Dites-moi quel creuset faire qui est pas trop dur. Faites pas les bâtards, m'envoyez pas sur un creuset de l'enfer. Dites-moi quel creuset faire. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Ah, plus tout le monde. Alors attendez, 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 attendez quand même. Bon, ça va, il y a un feu de poing à côté. La